Oui, Anxé. Ok. Ça, c'est mon fils. Mais... Bienvenue, fiston. Merci beaucoup. Pas. Pardon, tourne-toi afin que je puisse voir. Moi, si tout. Tu as grandi. Ah, viens embrasser ton vieux papa. Aïe. Ah, papa. Que... Assieds-toi. Merci beaucoup. Mon fils. vraiment. J'espère que le rhumatisme ne t'a pas attrapé dans la voiture. Tu es tellement resté en ville, je ne pouvais plus m'imaginer de te voir un jour. Oh, fiston, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Fiston. Oui, papa. Le pousseur est encore derrière avec les bagages. Non, papa, non, je ne suis pas venu avec. Il n'y a pas d'autres bagages derrière. Là, tout ce que moi je suis venu avec, ça, c'est tout mon sac. Mais papa, il y a un souci. Ici, c'est le village. Et les paradigmes du village ne sont pas même que les paradigmes de la ville. Lorsque les voisins entendront que mon fils est arrivé, chacun va se précipiter de venir prendre un morceau de quelque chose. Revenu de la ville, fiston. Je suis venu comme ça, la ville m'a frappé. En ville, ce n'est pas facile, papa. Et quand je suis là, je ne sais pas quand je vais rentrer. Ce n'est pas quand est-ce que tu vas rentrer qui importe. C'est ton arrivée au village qui risque de me créer des problèmes avec les voisins. Dans tous les cas, donne-moi ton sac, qu'on range ça quelque part en attendant le lendemain. Ah ok papa, ils vont juste te supporter. Hein. La vie n'est pas facile en ville. La vie n'est pas facile en ville. Tabaki, Talun, gars. Toujours en sifflotant. Talun, tu n'as pas une nouvelle pour moi? Taba, quand j'ai les nouvelles pour toi, est-ce que tu as besoin de me demander afin que je te fasse savoir que j'ai une nouvelle pour toi? La viande n'invite pas la mouche chez elle. Ton fils aîné est arrivé de la ville et tu ne m'as pas informé. Tabaki, tu peux faire comme ça les autres voisins. Attends. Mon fils est revenu de la ville bravalant. Étant même malade. Actuellement là, si tu ne me prêtes même pas une somme de 100 000 francs pour que j'aille lui opérer l'hernie entre ses cuisses, Tabaki, je suis mort. Tu fais tout cela pour me décourager. Lorsque quelqu'un vient en ville, il nous garde du poisson. Les pains et les vieux habits. Tu ne dois pas me décourager. Ton fils est venu avec un sac à dos noir. Donc tu as espionné jusqu'à voir la couleur du sac ainsi que le contenu. Tu vas me dire d'où viennent les cafards et les souris qui entrent et sortent de chez moi. Laisse ton affaire de cafards et de cancrelats à la maison. Va au marché, achète des parfums, des condiments de grande odeur. Tu mets à la maison. Soit tu coupes le sapin, tu mets à la maison. En tout cas, laisse-moi te dire, l'affaire de pain et de sardines, plus poisson qu'on vient avec en ville là, c'est la solidarité au village. Parce que si tu tombes, c'est moi ton voisin, soit du haut, soit du bas, qui va te soulever. Si ton fils la tombe, c'est nous, l'entourage, qui allons prendre soin de ton fils. Fais gaffe avec cela. Mange seul, on se reverra dans ce village. Je lui dis que l'enfant est venu bravalant. Il n'est même pas en train de passer. Papa, tu es revenu de la ville, bredouille et bravalant, comme un chien qui s'est fait massacrer à la chasse par le gibier. Et il se raconte partout dans ce village que tu es venu avec un sac noir, rempli de pain, de spaghettis. Hein? Ils appuient leurs propos en disant que
je suis en train de manger seul. Et que si quelque chose nous arrive dans ce village, ils ne nous aideront pas. Ça, sache que dans chaque situation, ce sont les villageois, les riverains qui nous aident. Si je tombe, c'est eux qui viendront creuser ma tombe. Et non toi. Mais papa, est-ce que c'est de ta faute? Ta faute ou ma faute, cela n'importe plus. Va rapidement en ville chercher du pain pour partager aux riverains. Sinon, porte tes bagages et...